Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit haul vêtements. Et oui, pour une fois, je me suis acheté des vêtements. Donc c'est deux magasins différents, mais je vous mets tout dans le même haul parce que j'ai pas acheté grand chose. Là j'ai acheté deux trucs et à H&M j'ai acheté trois trucs, donc vous allez voir. Donc là, c'est tout simplement à Leclerc. Donc j'ai été à Leclerc, je vous ai fait un petit haul. Donc j'ai acheté un pantalon à 9,95 €. Petite parenthèse, si vous entendez crépiter, c'est tout simplement ma bougie Party Light qui est en train de fondre. Voilà, donc elle va. Donc si vous entendez crépiter, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, je suis en train de la terminer. Enfin bref. Donc j'ai pris un pantalon taille 46, je ne sais pas si ça va m'aller mieux, je pense. Enfin, j'espère parce que c'est élastique, mais pas tant que ça. Donc on verra bien, bref. C'est pas grave, donc j'ai pris un taille 46, voilà, parce que je crois qu'à un moment je prends 46 ou 48, je sais plus. Entre 46 et 48, donc du coup là j'ai pris 46, on verra bien. 9,95, donc plutôt sympa, un pantalon normal comme ça. Voilà, en ce moment j'aime bien m'acheter des petits pantalons. En plus, là, 10 euros, c'est pas excessivement cher. Donc, pour un pantalon, c'est plutôt pas mal. Et toujours à Leclerc, je me suis trouvé un t-shirt unique à 3,95 €. Donc, ça, c'était vraiment pas cher du tout. 3,95 € le t-shirt. Donc, c'est simplement un t-shirt vert. Voilà, tout simplement. Voilà, un t-shirt vert. Je peux même peut-être me mettre sur le lit, vous verrez peut-être mieux. Voilà, un t-shirt vert tout simplement. Voilà, j'ai pris en taille L. Enfin, c'est marqué 42-44, mais moi je mets du L, donc je pense que ça va, ça devrait m'aller. En plus, il a l'air d'être bien, bien stretch, donc plutôt pas mal. Donc un au vert, j'en ai pas dans ma garde-robe. Tu peux regarder, hein. J'ai du noir, j'ai du blanc, j'ai du rouge. Ah si, j'ai du vert, je mens. Ah si, j'en ai même deux, j'avais oublié ces trucs-là. Ah, j'en ai même deux, j'avais oublié ces deux-là. Bon, lui qui est transparent, mais il faut mettre avec un. Moi, je mets un haut, un t-shirt à bretelles. Ah ouais, j'avais oublié que j'avais du vert et j'ai celui-là. Je les avais oubliés parce qu'en fait, ceux-là, je les mets qu'en été parce que c'est des matières assez souples. Ah bah, j'avais oublié que j'avais du vert. Eh bah, si. Mince, j'ai fait tomber un truc, c'est pas grave, je le mettrai tout à l'heure. Voilà, mais en tout cas, un t-shirt simple comme ça, j'avais pas de vert, j'avais que. Toutes les couleurs, enfin pas toutes les couleurs, mais j'avais pas de vert, donc voilà. En ce moment, je cherche un peu de vêtements avec de la couleur parce que j'en ai marre du noir, du blanc. J'ai quoi? J'ai noir, blanc, rose, enfin voilà, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc voilà, et ensuite j'ai été à H&M, j'ai trouvé pareil, ouais, c'est ça, 3 hauts. Donc du coup, bah évidemment, je tourne toujours aux mêmes couleurs, hein, gris. Voilà, là j'ai pris gris. Je crois que j'ai pas. Là par contre en gris. Où je dois en avoir un. En plus, je regarde là, mais tous mes pas mis là. Parce que tous mes t-shirts sont dans ma pile de linge. Non, je crois que j'ai dû avoir, mais je sais plus si j'ai celui-là. Donc bref. J'ai pris un t-shirt. Donc par contre, comment te dire que c'est pas le même prix du tout, celui-là. Et les deux autres t-shirts, j'avais pas vu ça. Ah merde, je me suis fait baiser. Ah ouais, bah je me suis fait avoir. Parce que ce t-shirt-là, je viens de remarquer, il est à 9,90 €. 9, donc c'est en taille L, donc t-shirt simple comme ça. Voilà, j'avais envie un peu de nouvelles fringues, donc j'ai pris ça. Et j'ai pris deux t-shirts à 4,99 €, il me semble. Ouais, 4,99 €, et je pense que du coup. Je pensais que celui-là était au même prix, mais en fait il n'est pas du tout au même prix. Après, je pense pas que ce soit la même matière. Parce que quand tu les as en main, c'est pas du tout la même matière. Donc 4,99 €, et là j'ai pris en taille XL. Parce qu'il n'y avait plus de L, et je pense qu'en taille XL, ça risque d'être un peu large. Je sais pas trop, on verra bien. Donc j'ai pris une petite marinière comme ça. J'en avais eu, enfin marinière, même pas parce qu'il est noir. Bah, comme marinière quoi. J'ai pris ça parce que ça fait extrêmement longtemps. J'avais déjà eu un t-shirt comme ça, mais ça fait extrêmement longtemps que je n'ai plus un t-shirt comme ça. Parce que moi, vous voyez, quand ils vont plus, quand ils sont trop petits, je les donne ou voilà. Par contre, en taille XL, ça va être hyper grand, je trouve. Enfin, ça risque d'être un peu grand, mais bon.
Voilà, alors je me suis dit, ça me fait, c'est un peu, ça m'enquiquinait un peu de repartir un peu bredouille. Donc, du coup, bah, j'ai pris ça. Par contre, il y avait un beau jogging que je vous avais dit. Je crois que c'était ce. C'est H&M aussi, celui-là. Je sais plus si celui-là, c'est H... je crois que c'est H&M. Et j'avais un short. Non, je crois pas que c'est H&M, je sais plus. Enfin, bref, ils avaient des shorts comme ça. Enfin, des pantalons comme ça, là. De jogging et je voulais m'en prendre un mais j'ai vu c'était 20 balles et du coup j'ai dit ouais vas-y je vais pas le prendre parce que vu que j'en mets pas beaucoup des jogging et bah je me suis dit vas-y ça sert à rien tu vas le mettre une fois dans l'année et encore ça sert pas à grand chose donc peut-être que je craquerai je sais pas encore on verra bien donc cette fois-ci 4,99 en taille L donc ça c'est ma vraie taille l'autre je l'ai pris en XL parce qu'il n'y avait pas ma taille donc ça c'est taille L c'est ma vraie taille. C'est ma vraie taille, taille L. Je regarde là parce que du coup j'ai mon miroir là. En taille L, ouais, taille L. Je rentre encore dans l'L, donc je suis trop contente. Et j'espère pas rentrer non plus, enfin pas avoir une taille au-dessus. Donc du coup, cette couleur là, c'est un peu blanc, blanc-gris. Vous allez plus voir blanc, mais c'est un peu blanc-gris. Donc voilà, donc je suis plutôt contente de mes achats. Voilà, donc du coup j'ai pris 4 t-shirts. J'ai 4 t-shirts et un pantalon. Et en tout, j'en ai dû en avoir pour trentaine d'euros, on va dire. Même pas, hein. Allez, 20 balles, 25 balles. Allez, on va dire 25 balles. Parce que lui, il vaut déjà 10 balles, je crois, le pantalon. Là, j'ai dit. Ouais, il vaut 10 balles. Ouais. Allez, 25 balles. Donc pour 25 balles, j'ai quand même eu 4 t-shirts. Ouais, 4 t-shirts et un pantalon. Mais en deux magasins différents, évidemment. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Voilà, j'avais envie de vous montrer mes petits achats, j'avais envie de faire des achats. N'oubliez pas de vous faire avant tout plaisir. Voilà, moi maintenant je suis dans une optique, je me fais plaisir si j'en ai envie. Là, des fringues, ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas acheté de fringues. Parce qu'avant, j'en achetais, en fait, pour une petite anecdote de perso. Avant, j'en achetais sur Internet. Et vu que bah, des fois, j'ai des problèmes d'argent comme tout le monde, on ne peut pas forcément en acheter. Donc du coup, bah, j'ai été un moment à prendre plein de trucs. Et après, j'ai été un moment à prendre rien du tout. Parce que du coup, bah, j'avais pas d'argent. Donc quand t'as pas d'argent, tu peux rien faire. Donc voilà. Donc là, ne serait-ce que de m'avoir payé, vous voyez, genre là, j'ai dit 4 t-shirts et un pantalon. Bah, tu vois, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire les magasins pour juste un enfin, pour juste 4 t-shirts et un pantalon. Ça m'a fait extrêmement plaisir de faire des magasins et de me reprendre surtout d'autres vêtements parce que c'est bien d'avoir des vêtements, c'est bien d'avoir toujours les mêmes vêtements, d'être comme moi parce que moi je les dégage de mon dressing que quand ils ont des trous, tu vois. Sinon, ils dégagent pas de mon dressing. Donc, mes habits peuvent faire des années et des années. Je les garde pas mal d'années. Après, quand je sais que j'achète beaucoup de t-shirts, je sais. Donc, en général, des fois, j'enlève les plus vieux, tu vois. Genre, quand j'enlève les plus vieux. Après, il y a des vieux t-shirts que je garde aussi pour le boulot. Enfin, voilà. Après, c'est compliqué. Mais après, on fait comme on peut, hein. Mais voilà. Du coup, là, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire les magasins. Donc, vous dites-moi en commentaire si vous vous faites plaisir et si vous aimez faire les magasins de vêtements. Voilà. Allez, moi, je vous fais des bisous. Je vais vous dire à plus tard. N'hésitez pas à oublier, non, à ne pas oublier plutôt les pouces en l'air. Ça fait toujours plaisir. Même si vous ne mettez pas un commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce pour dire coucou, je suis passée par là. Je t'ai mis un petit pouce bleu. C'est toujours sympa. Et un commentaire si vous le souhaitez. Je réponds à tous les commentaires. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires. Donc voilà, moi je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire où vous achetez vous vos vêtements. Si vous avez des sites internet à me proposer, pourquoi pas. Moi, personnellement, je suis en grande taille. Du coup, vous avez bien pu le comprendre. Du coup, je suis en grande taille. Donc si vous avez des sites internet ou autres à me proposer, n'hésitez pas à me dire ça dans la barre d'information. Enfin, pas d'information, mais en commentaire plutôt. Donc voilà, moi du coup je vais vous faire encore des bisous et je vais vous dire à plus tard dans une nouvelle vidéo.